congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Arrivé dimanche soir à Mwanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Tio Isongesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Tio Isongesa Christian, est revenu pour sa troisième fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine. C'est quelqu'un qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Tio Isongesa Christian, dont sa suite ne s'est pas déplacée, c'est il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leur ration en vivres. Promotion Guépard! Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers les chefs de l'État et la patrie. La mission à FARDC, il n'y a que trois choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite de Nyonso, la frontière de Nyonso, et c'est que nous devons protéger en haut contre nos adversaires. Il y a dit que nous sommes en guerre. La limite haute de la haute, la ligne à la ville de Bazar et Bitumba. Et puis Bitumba, on a. Parce que nous devons aussi nous avoir besoin de bilan. Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction de Kitona, rénové les dépôts d'armement et autres. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les tirs au mortier perpétrés par le 123 bar RDF et a conduit ce mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est.
En effet, après avoir fait face à la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée du mardi, où ils ont attaqué une de nos positions, les 1-23 bar RDF, ont orienté leur tir au mortier dans les positions avancées de l'EAC Regional Force, avec comme objectif acquiser les forces armées de la République démocratique du Congo, d'être auteur de 10 tirs et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale, en créant bien évidemment une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert de M23 qui s'attaque désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo sur instruction des chefs d'État de l'EAC. Les forces armées de la République démocratique du Congo présentent à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'EAC et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords de Luanda et de Nairobi. Le contrôle physique et biométrique des reclus des centres d'instruction Lukusa a démarré ce mardi 24 octobre 2023 dans le bureau administratif du CI Lukusa. Une équipe de l'inspection générale conduite par le général de brigade Godas Sukpa Emery, venu pour la circonstance, présenté à la parade par le commandant groupement des centres d'entraînement et d'instruction, le général de brigade Mputel Nkolito Bertin, la délégation s'est mise directement au travail d'identification de ces jeunes Congolais qui ont accepter de servir sous les drapeaux. Ce contrôle initié par le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maîtriser les effectifs des FARDC. En pratique, sur le terrain, na baba carottier, na baba umber, bon matéria, pour la sortie de Bilo Awa, Bokena, formation commando, formation parrain, formation marine. Alors, l'année matéria à la centre. Très discipliné, la carte de il y a soldat. Sans être discipliné, et c'est la carte armée. Très discipliné. C'est par ces messages que le commandant au groupement des centres d'entraînement et d'instruction, le général de brigade Mputel Nkolito Bertin, s'est adressé à encourager ces recrues qui se sont mobilisés à prester sous les drapeaux. Il les a conseillés de ne plus être les carottiers. La nation congolaise a besoin d'elle pour apporter la paix et la sécurité en RDC. Le général Boutel a traversé tôt matin pour aller voir le moral de ces recrues qui sont les porteurs de la sécurité à travers la discipline qu'ils vont manifester sur terrain. Peu de sueur au front, beaucoup de sueur à l'instruction. Les stagiaires de la 34e promotion de l'école de commandement et d'état-major ont été formés dernièrement sur l'introduction au droit international humanitaire et à la participation aux maintiens de l'ordre. Cette formation a été organisée par le comité international de la Croix-Rouge. Selon M. Richard Zabo, délégué des forces armées et des sécurités au sein du comité international de la Croix-Rouge, l'objectif de ces séminaires a cadré avec la mission humanitaire de la Croix-Rouge, celle de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d'autres situations de
violence et leur apporter assistance. L'école du commandement d'état-major forme des officiers entre les officiers subalternes et supérieurs, donc ça va du grade de capitaine au grade de colonel, qui seront appelés à travailler au sein des états-majors de région militaire, d'état-major de secteur opérationnel ou au sein de commandement d'unité sur le terrain. Et donc c'est une école, on va dire, charnière, qui est vraiment au milieu de la progression d'un officier FRDC. Et donc c'est important qu'à ce stade, il puisse avoir un rafraîchissement pour certains, parce que la majeure partie des stagiaires avaient des connaissances avérées en matière de DH. On l'a vu dans le test initial qu'on a fait, où le test initial a été très bon. Voilà, mais il convient de refaire des rappels réguliers en termes de droit international humanitaire, afin qu'ils puissent s'en imprégner et l'intégrer dans la planification et la conduite des opérations. Le général de brigade Ilunga Diour Diédoné, chef d'état-major au groupement des écoles supérieures militaires, a procédé à la clôture de ces séminaires au nom de son chef empêché. Chers séminaristes, j'ose croire que vous êtes les plus heureux parce que vous êtes les bénéficiaires des notions de grande valeur que vous appliquerez tout au long de votre carrière. Je suis donc convaincu que vous êtes outillés et apte à appliquer les notions reçues dans vos planifications opérationnelles. À tous présents ici, veuillez trouver l'expression de ma profonde gratitude. Je déclare ainsi clos les séminaires sur le droit international humanitaire. Je vous remercie. Le stagiaire de l'école de commandement et d'état-major ont effectué du lundi 9 au mercredi 11 octobre 2023 une sortie d'études dans le territoire de Kasangulu dans la province du Congo central. Cette sortie d'études a poursuivi un objectif, celui de concilier les théories apprises à la pratique sur le terrain. Au cours de celle-ci, le stagiaire ont fait des droppings et réalisé des travaux de campagne durant les deux premiers jours. Le troisième jour a consisté à un exercice tactique par différents groupes visant à défendre la cité de Kasangulu après une observation minutieuse et une étude approfondie du terrain à partir du Mont Gérard. Après la restitution de cet exercice par le groupe devant les professeurs, sous l'assistance du colonel Hassani Komo Eric, ils ont eu droit à un vetting à chaud. À l'issue de cette sortie d'études, quelques stagiaires ont livré leur impression. Je suis le capitaine stagiaire des forces armées du Bénin. Nous sommes arrivés ici pour mettre en pratique un certain nombre de théories que nous avons acquises durant 6 mois de travail. Et ça s'est passé dans de très bonnes ambiances. Les gens ont découvert, les gens se sont améliorés. Et ça a été d'une grande utilité pour chacun de nous. Je suis le major Baby Didier, stagiaire centrafricain auprès de l'école du gouvernement et du Panajor. Je me suis enrichi de beaucoup de choses. En venant, j'avais une formation assez limitée, mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça veut dire que mon niveau s'est élevé, mon niveau d'études militaires s'est élevé. Et on a appris beaucoup de choses et puis je suis très content de cette formation. Oui, je suis le chef de bataillon Ambassa William du Cameroun. Déjà, en tant que fantassin, c'est toujours un plaisir de pouvoir allier la théorie à la pratique. Déjà, depuis pratiquement 6 mois et demi que nous sommes à l'ESM, nous avons eu beaucoup de cours théoriques. Et bon, c'est la première fois que nous pouvons justement mettre en pratique ce que nous avons appris. Je suis commandant d'escadron à la direction générale de la sécurité présidentielle. Alors, l'impression que nous avons, c'est que l'école a fourni réellement des efforts, parce que la logistique y est, l'enseignement y est, les cadres y sont. Alors nous ne pouvons que louer tous les efforts qui ont été mis en place pour que cet exercice qui est très important. Mais ça, le particulier, d'abord, c'est de féliciter les autorités pour cette initiative. Féliciter les autorités à tous les niveaux, au niveau de l'école de commandement et d'état-major, et à sa hiérarchie aussi, pour cette initiative qui a été vraiment bénéfique pour la promotion.
58 militaires ont reçu mardi 17 octobre 2023 à Kinshasa des attestations de participation au recyclage des agents de police judiciaire des juridictions militaires. Les récipiendaires ont régulièrement suivi le séminaire de mise en condition des hommes de troupes affectés à la justice militaire du siège. La formation a été organisée par la Haute Cour militaire du 14 au 26 juillet 2023 sur les matières suivantes: règlement de discipline militaire, règlement d'exercice et l'évolution d'infanterie, règlement des services intérieurs, structure organique de la justice militaire du siège, autorité judiciaire militaire et drill des audiences devant la justice militaire. Le lieutenant général Mutombo Katalay Tchende Joseph, premier président de la Haute Cour militaire, a circonscrit devant les apprenants le cadre dans lequel ils ont eu tous ces enseignements. Par ailleurs, il leur a demandé d'intérioriser les points développés par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Tshiwe Wesungesa Christian, lors de sa causerie morale tenue la veille au camp lieutenant-colonel Kokol. Moi, à notion, il y a plus de manipulation d'armes, des choses comme ça. Vous avez dit qu'à la fois, vos hommes là, pas un serabino, je dirais, pas fait sabino plutôt, ma notion élémentaire, il y a pour ça la haute, pour pas la cause à la soupe. Bien sûr, pour ça, vous êtes à casino, bon, il n'y a du fait à voir, car vous voyez à qui. Donc l'élo, on fait ça symboliquement. On a 5 personnes certificat au souci. Petit commandant d'étagement, on fait ça du haut. On pourrait l'avoir au cas. Et puis, on continue pour ça. On a eu pour rappeler que Dobi Bokebeki n'a pas rage. J'espère que le bâtiment soit allé à la bâtiment de la parade. Le locatif à Campo, chef d'état-major général à le bâtiment. Au fond, si ça pose dans mon tour d'avion, ma lame, au salapé, ma lame. Yango, moi, ma cabo, mouké, la salaki d'ango, on allait là. La chose qui s'y voit là. Les prévenus, général-major Ilondo Ifondo Igo, colonel Kimpembi Ndongala Antoine, capitaine Misege Mwenyemali Tani et capitaine Pukulu Anda Jean, ont été entendus jeudi 19 octobre 2023 à Kinshasa par la Haute Cour militaire, dont l'affaire de détournement d'un véhicule militaire de marque CRAS. Le colonel Kimpembi, directeur de la logistique de la 14e région militaire, a reconnu avoir établi sur ordre du commandant une de route pour que ce véhicule puisse transporter les marchandises d'un certain directeur sur l'axe routier Kinshasa-Kamba-Kinzaou au Congo central, convenu sur un montant de $700 américains pour la location. Selon le procès verbal d'interrogatoire, un acompte de $500, soit 1 million de francs congolais, a été versé. Malheureusement, ce véhicule a fait un accident au niveau du village Fumafuma, en percutant le 8 mai 2022, deux voitures causant la mort de 6 personnes. Le général Ilondo, ancien commandant de la 14e région militaire, a reconnu avoir signé le 26 mars 2022 une feuille de route pour le rodage de ce véhicule militaire dépanné et, chemin faisant, acheter les vivres pour le mess de son unité. Le capitaine Mwenyemali, qui a servi d'intermédiaire entre le directeur et le colonel Kimpembi, a confirmé avoir remis tout l'argent à ce dernier. Le capitaine Pukulu, maintenant si, mais son état a joué au pointeur.
auditeurs. Selon l'auditeur général ministère public, alors qu'il avait la qualité de convoyeur du véhicule dans la feuille de route devant le juge, il a déclaré que ce véhicule n'était pas en panne, contrairement à la déposition de son comprévenu, le général Ilundo. La confrontation a concerné 4 prévenus, le 5e, le prévenu Mboula Saïdi, étant en fuite. Le ministère public a requis le jugement par défaut à son égard. Les prévôtés militaires de la garnison de Kinshasa ont effectué le vendredi 8 septembre 2023 la marche d'endurance sous la conduite du colonel diplômé d'état-major Moteteke Mutunda Dim, commandant bataillon de cette unité. Vêtus tous en nouvelle tenue, de 5h à 10h, la marche a débuté sur l'avenue du haut commandement en passant par l'avenue de la liberté pour chuter au bataillon PEM situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Cette marche d'endurance a été organisée à l'occasion de la présentation des nouvelles insignes pour distinguer désormais les militaires PEM du bataillon en sein de la 14e région militaire aux Arapi qui sont dans les autres unités des forces armées de la République démocratique du Congo. À la fin de cette marche, le commandant bataillon PEM s'est exprimé à notre micro. Et aujourd'hui, si nous avons fait un petit carnaval, c'était un petit carnaval de routine, justement pour faire voir que la police militaire est là, la police militaire veut travailler, la police militaire veut exercer dans ses missions régaliennes. Il y a beaucoup de confusion à ce qui concerne la tenue des prévôtés militaires, la PEM que nous sommes. Nous avons aussi des PEM qui sont dans les QG des unités. Et ces PEM-là peuvent prester dans le QG. Ils ne peuvent pas être au-delà des QG. Nous sommes en train d'exercer notre travail de routine, celui de traquer les éléments irréguliers, celui d'appuyer la police militaire, celui d'imposer la discipline. Toutes sortes de marques extérieures de la tenue, nous sommes là pour régulariser. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso.
exerçant en République démocratique du Congo. Rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la TPIL est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Découvrez votre application MyAfriCell. Accédez de manière rapide et facile à tout.